Les modalités de gouvernance pour manager les ressources en ville empirique. Et d'autres organismes. What's the commons? That's a good question. You want to ask it again? What is the commons? What is the commons? Do you have an answer? What? Do you have an answer to what is the commons? It's a space for play. It's a space for joy. And it's a place where we can just be together. Without thinking about the hierarchy of the world, without thinking about money in the world, but just going, we're going to protect this space, and this is a space for us. And all those who want to come and play, and all those who want to come and be together, and respect that, are welcome. And that place will be open for all those who want to come and be in their joy and be together. We want to play with that, and we'll protect that. That's the commons for me. Thank you. C'est bon, ça roule là? So let's make this short and sweet. This is a balloon filled with air. So the air in this balloon becomes something tangible. If there was no balloon, we would have no notion of the air that is inside of this balloon. Commoning is the practice of creating balloons so that we can become aware of what is essential to our life that else we would not know. Keep it real, you people! Les communs, ben pour moi, c'est quelque chose, c'est un mode de vie en fait, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, puis là, de savoir, de mettre en fin de compte, d'ajouter ce mot-là à mon vocabulaire, c'est un peu ça. I think there's something really ingenious about putting a frame around the commons in life, and the tension between a frame and representation and the real thing. And I think that's what we're dealing with all the time. So we've been thinking at home a lot about what the commons is and how we can, well bless you, and how we can run our household in a way that we're respecting each other and that we're taking care of each other in a framework and an understanding of the commons. I think that's pretty much all we have to say right now. Do you have anything you want to say, Olivia? No? Samantha Slade, qui vient de vivre trois jours magnifiques de l'en commun, qui en quelque sorte l'expérience de rentrer dans son pouvoir agir avec une conscience de prendre soin de notre monde actuel et futur. Réaliser qu'on est commoner, c'est réaliser qu'on est vivant et qu'on est en relation avec tout ce qui est vivant. J'ai le goût de partager quelque chose avec vous. Donc hier, je suis retourné chez moi après deux jours avec des gens riches et je me suis mis à pleurer chez moi. Et ma copine est venue me voir et elle a dit « Qu'est-ce qui est arrivé? T'as trouvé des gens comme toi? » Puis c'est un peu ça. Puis ça a comme fait renaître une espèce de flamme que j'ai toujours eue, qui a été éteinte à cause de toutes sortes de raisons. Puis je sais pas où ça va m'amener, mais je suis content d'avoir vécu.
Puis j'espère être capable de relancer d'autres flammes de d'autres personnes. Donc bonne chance au commun, puis bon projet commun. C'est comme un accouchement, on disait. Les communs, c'est comme un accouchement, il faut que tu sois dedans, puis il faut que tu le vives, puis je sens qu'en ce moment, c'est ça. Il y a quelque chose que je suis là, puis qui va émerger à un moment donné, puis je vais le vivre. Puis peut-être que ça va pas se passer devant la caméra en ce moment. Mais je vais finir les trois jours avec une métaphore qui est la suivante. C'est comme enfin mettre des lunettes de plongée. Donc pendant trois jours, souvent j'ai essayé de mettre des lunettes pour comprendre une situation, mais là, je dirais que c'est comme mettre des lunettes de plongée. Ça me permet, plutôt que juste de nager dans l'océan, de voir les coraux et les poissons. Et je trouve intéressant que je dois me baisser un peu pour me mettre dans le cadrement de cette façon. Mais c'est un peu l'expérience de ce rencontre. C'est de changer perspective à droite, à gauche, en haut, en bas, et d'entendre par l'histoire partagée des réponses qui m'ont aidé personnellement dans mon travail, dans mon expérience. Alors, je trouve ça merveilleux dans le partage communautaire. C'est que je me suis seulement sentie bien, tout le temps, en harmonie de cœur et d'esprit, puis même quand l'esprit n'était pas là, de pouvoir nommer ça en groupe, puis de sentir accueillir la confusion. Ce qui fait que je me suis... C'est rare des instants où il n'y a jamais eu un petit tiraillement dans le cœur. Je me sentais toujours à ma place, au bon endroit, au bon moment. Et puis je sens qu'il y a comme un cadre qui s'ouvre, qui sort. Et puis je sens l'espace des possibles s'agrandir. Merci. So listen to the space between the words and the space in the words. Alors, regardez les mots et entre les mots, les espaces entre les mots et le sens des mots. Alors, comment laisser respirer nos structures pour nous faire de la place? How can we leave our structures? Breathe so that they can make space for us. Okay? Comment nourrir la culture vivante des communs? How to nourish the living culture of the commons? En espagnol, allez, 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 en espagnol. Comment alimenter? Ok. Cómo alimentar la cultura viva, la cultura de la vida en los comunes, en el común, en el bien común. ¿Eh? Bueno, no. La cultura vivante. Oui. Vivante, très important. How to organize my life to turn around the means I use to meet my needs while contributing to design our new collective infrastructures and interstructures. Comment organiser ma vie pour bouleverser les réponses à mes besoins en contribuant à designer nos nouvelles infrastructures et interstructures collectives? Also, unsere Frage ist, wie organisiere ich mein Leben so, dass ich die Mittel, meine Bedürfnisse zu befriedigen, auf den Kopf stelle und zugleich zur Gestaltung neuer, kollektiver Infra- und Interstrukturen beitrage? Hola. La pregunta es, ¿cómo organizar mi vida de una manera que le dé vuelta a los medios que responden a mis necesidades, mientras contribuyo a diseñar nuestras nuevas infraestructuras y interestructuras colectivas? Gracias. Gracias. Merci. Merveille. So Samantha and David had a conversation about money and relationships. That was inspired by a real case in which I'm trying to transfer money with somebody outside of the banking system in a way that takes care of social relationships and shared responsibility. And so we discussed that for a while and finally fine-tuned a question
that speaks to that situation in a larger context. And the larger context is that money tends to degrade social relationships, as we've seen with the banking system. And there are many, many levels at which this plays out. So our question is, how can we create an ecosystem in which money does not degrade relationships and can still be used? Thank you. Bienvenue sur ce niveau, bienvenue sur ce nouveau discours politique qui émerge. Hein? C'est autre chose qu'une pointe de l'iceberg, c'est juste le début d'une courbe exponentielle. Merci. Mais alors la question qui brûle toutes les lèvres, y compris les miennes et les vôtres, cher Andrea, c'est assistons-nous à la naissance d'un mouvement des communs à Montréal? Mais certainement, il y a, non seulement nous insistons pour ce mouvement, mais nous y assistons et nous y contribuons. Et nous le vivons. Et nous le vivons, parce que participer à un commun, c'est bien le vivre. Et c'est la vie. Et c'est la vie. Merci. Merci. Les communs... rentrent dans les mœurs. C'est plus que les communs qui étaient sur toutes les lèvres. C'est que les gens, ils ont maintenant ça dans le cœur et que il y a quelque chose de puissant là-dedans. Quoi. Il faut continuer. Allons-y. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a quelque chose qui commence ici avec l'art de l'encore. Enough! Thank you.